Il a déjà eu un petit peu dans la marinade avec de l'huile. C'est ça qui va donner le goût du CBD. Le goût du CBD comprenait en fait celui de la fleur de cannabidiol, une herbe légalisée à la consommation que ce chef de cuisine a fait le pari d'intégrer à la recette de son burger. On a fait des recherches, on était sur internet, on a regardé ce que c'était, ce que les gens faisaient avec. On a trouvé des infusions, il y en a qui faisaient des desserts, il y en a qui font des glaces, voilà. Donc ça commence à arriver dans la cuisine, donc pourquoi pas essayer. Un burger au CBD. Pour les clients, aucun risque, le CBD n'a pas de substance psychotrope, contrairement au cannabis qui contient du THC. Mais alors au goût, ça donne quoi ce fameux burger? C'est bon, il est parfumé. Oui, justement, les odeurs, là, vous sentez un peu que ça oui, dégage... Oui, il y a des parfums. Moi, j'adore la truffe, j'adore un petit peu comme ça. C'est pas dérangeant, c'est bon. Et ce burger au CBD proposé à 18 euros, il surfe en fait sur l'actualité d'un marché en plein essor, comme ici à Montbéliard. Là, vous avez des huiles, vous avez plusieurs pourcentages. Alors, c'est des huiles au chanvre, elles ont des bienfaits paramédicales. Parapharmaceutiques, et puis on a aussi des pâtes au chanvre dans l'alimentaire qui sont riches en oméga 3, riches en oméga 6. Dans cette boutique, uniquement des produits à base de cannabidiol, avec un certain coût, mais aussi des vertus bien particulières. Nos produits ils sont là pour aider les gens à soulager la douleur, à atténuer cette douleur qu'ils vivent au quotidien, que ce soit sur le stress, l'anxiété ou sur des grosses pathologies comme la sclérose en plaques ou bien des cancers. Et il y en a certains, ils vont même donner des sensations en fait, d'apaisement. Donc d'allègement, et il n'y a pas d'effet néfaste, pas d'effet psychotrope sur tous les produits. En France, la vente et la consommation de CBD sont tolérées depuis le mois de novembre 2020. Mais il est toujours interdit de cultiver le chanvre, la plante dont il provient.